Celui-là. C'est la fermée, oui. C'est celui-là fermé. Juste laisser votre sac un peu de vent. Sur votre sac un peu de vent. Monsieur, on lui reproche de ne pas avoir effectué 100 heures de service communautaire. Les personnes qui ont accueilli monsieur, parce que c'est 0 heures d'effectuer, les personnes qui ont accueilli monsieur à la probation, ce sont des gens qui travaillent à la réception, pas nécessairement identifiables par les agents de probation comme tels. Les agents de probation qui sont assignés dans nos deux, qui sont assignés dans ce genre de travail, sont des personnes qui ont finalement avec monsieur. Ils n'ont jamais finalement effectué les heures de travail qu'on lui reproche. Alors, devant cette situation, après avoir pris connaissance de la situation, plus clairement, il y a des choses difficiles, moi, Baptiste, Marie, Joseph, Maurice, sans patronyme, sans d'informe matériel et d'identité visuelle en parallèle, etc., etc., j'ai fait, alors, j'ai fait sortir dans le dossier pour lequel monsieur a obtenu sa probation, j'ai fait sortir la fiche d'actuloscopie où on retrouve la photo de monsieur, ses empreintes digitales, pour nous démontrer que c'est bien monsieur Talbot ici qui a reçu l'ordonnance de probation lui enjoignant d'effectuer 100 heures de travail communautaire. Évidemment, vous comprendrez la situation que j'ai une copie pour monsieur à titre de divulgation de preuve et que pour la suite des choses, nous suggère que deux choses. Monsieur reconnaît qu'il est bien la personne qui a eu l'ordonnance de probation à qui on lui enjoignait 30 heures de travaux communautaires et on procède. Ou sinon, ben, on verra, mais moi je suis disposée. C'est sûr que je n'ai pas avec moi le témoin qui a pris les enfants de monsieur qui a pris la photographie. Mais à tout le moins, je suis en mesure de faire un début de preuve. Sinon, je vous soumets que j'attendrai cette personne à la prochaine date pour faire la preuve conformément à ce qui va se faire là-bas. Alors, vous avez compris, monsieur, si vous voulez, vous êtes une bonne personne. Vous avez compris la position de la personne. Ça se passe pourquoi? J'ai compris la position. La mienne, c'est que j'ai remis un document. Non, mais pas bien remis, il n'y a rien de déposé en devant la cour. Est-ce que vous admettez être Mario Talbot qui est juste une probation? Moi, je suis Mario Maurice, Mario Joseph Maurice. Il y a eu un erreur sur mon identité. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Alors, vous admettez pas que M. Mario Talbot, né le 7 août 1965, qui est accusé d'avoir posé une probation, mais comme ça, c'est un peu comme ça, est présent ici. C'est pour vous. Moi, je suis la personne, la vraie personne. Il a dit sur ceci, la personne humaine. Et si vous voulez l'explication plus vite, je vais amener la personne à moi pour expliquer qu'il y a d'autres. Je n'ai pas d'autres explications. Alors, maître, je suis la personne, je suis l'évangile de monsieur qui a fait la question. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à M. Talbot. Soyez-vous, Pardon, monsieur Lue, est-ce que je peux intervenir? C'est parce que j'ai gagné, moi, sur l'identité. Non, vous ne pouvez pas intervenir, monsieur, soit avocat, monsieur.
monsieur. Êtes-vous avocat? Non, je ne. Un avocat n'a pas le droit de dire ce que j'ai gagné devant les acteurs de l'État civil et devant le gouvernement. J'ai gagné devant le juge Godbout ici. Devant le juge Peter Bradley, les deux honorables juges, dans le dossier 222-028-373-041, il y a son certificat de naissance ici. Il n'est pas capable de l'expliquer, il ne connaît pas ça. Puis il n'y a pas d'avocat, il n'est pas capable d'avoir d'avocat. Je vous demanderai de reproduire. Moi, j'ai expédié un courrier recommandé au juge Charest et au juge en chef de la Cour du Québec. Je ne vous donne pas le droit de parole et je vous demande de vous faire. C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Mais vous allez recevoir un document pour ça aussi. Vous allez être responsable de ça. Je vous tiens responsable. Vous pensez que ça me fait peur? Mais ça ne vous fait pas peur, parce que le système ici, la Cour supérieure, pour ceux à la Cour du Québec, le dossier n'est même pas réglé actuellement. Et je passe en cours, moi, à Montréal, au mois d'octobre, sur l'inconstitutionnalité des lois au Québec et de l'Assemblée nationale. C'est moi qui est intervenant. Je peux juste vous demander ici respectueusement d'intervenir et de pouvoir essayer de vous expliquer quelque chose. C'est tout. Vous avez reçu le document par courrier recommandé. La décision a été rendue et deuxièmement, je vous souhaite bonne chance de votre poursuite. Je n'aurai pas de problème avec ça, mon cher monsieur. Alors, je n'aurai pas de problème. Et vous le bon. Merci. C'est comme si j'étais tout seul. Pauvre Mario, c'est pas de ta faute, tu connais pas ça. C'est pas. Puis eux autres ne veulent pas m'entendre, ça va être pas drôle. Les criminels, c'est comme ça que ça fonctionne. Ben oui, mais ça fait rien, c'est pas même si c'est pas une marche quand même. Non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de pire? Pourquoi les insulter? Je faisais attention. Imagine-toi si j'avais dit fort tout ce que. Qu'est-ce que tu penses qu'ils auraient dit, eux autres? Ils sont cool d'avoir un parcours plus fort. C'est mieux qu'il y a pas 25 ans. Hein? C'est ça, on va aller en Ontario avec ça, moi je vais mettre une vitelle ici, il n'y a pas de problème. Oui, exactement, c'est ça qui doit être. Oui, oui. C'est zéro. Avoir le temps sur le là, je ne rentrerai pas tantôt, ça va les insulter. Je les connais. Regarde la manière qu'il a parlé, c'est pas le même qu'on parle avec quelqu'un. C'est un juge, ça. C'est pas être en conflit d'intérêt. Justement. Non, je t'en hostie. Oui, excusez. Mais votre document l'a envoyé en Ontario. Excuse. Le document, c'est ça qui va arriver. Parle-moi pas de ça, là. Parle-moi pas de ça, là. Un bris de condition, ça peut durer en Estie. Tu avais déjà signé. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Ta signature était là. Attendez l'annulation de la signature. Quand la signature est là, même si tu n'as pas de loi, aussitôt que tu as signé tes faits. Mais moi, là, le travail, c'est de me demander encore une fois, tantôt, l'acheté de ma personne peut avoir à me défendre et à payer ce qu'ils veulent avoir. Tu en veux, là, là? Pour moi, la santé de la personne. Ah oui, mais il a fallu que tu le demandes tout de suite. Tu le demanderas, là. À mon sens, tu le demanderas. Je ne voudrais pas, je ne veux pas les insulter. Mais c'est je ne veux pas les insulter, tu vois. Smith. Il y a encore mieux les insulter, ça me fait. Il en fait peur. Moi, je comprends pas. Tu regardes, c'est arrivé, là. Elle a dit c'était un bris, puis tout ce qu'elle a dit, écoute, là, si j'avais pu m'exprimer, automatiquement, t'étais acquitté. C'est tous les documents. Il renverse les décisions du directeur de l'État civil, il renverse les décisions de tout le monde. Ah, puis bonne chance pour le 19. Hein? Puis il dit bonne chance pour le 19. Non, faites aux impôts, ils sont déjà tous organisés ensemble, faites aux impôts. Il n'y a pas de problème avec ça, je sais où m'en va. Vous la sortez de la personne. Moi, ils m'ont tout enlevé, mon ami, parce que je suis un être humain. Puis toi, ça. Au-dessus, là, c'est comme ça que ça marche. Tu ne donnes pas la chance de te défendre. Il ne veut rien savoir. Il ne donne pas la chance de te défendre. Oui, mais c'est là que ça prouve la culpabilité. Hein. Moi, j'avais parlé, là. En demandant l'enregistrement, là, on est obligé de vous entendre. Ben là, je parle assez fort, je pense que l'enregistrement va être là, là. Oui. Ah, oui, c'est ça.